This is your 15-minute countdown. Your workout begins in 4, 3, 2, 1. Dans cet épisode de En Forme, nous sommes à Montagne Blanche où le couple Gunfoot, des passionnés du fitness, nous accueille. Aujourd'hui, c'est la classe de cardio. Tiens-nous le parcours en tant qu'instructeur. Nos groupes sont formés à partir de 2006. Un groupe, ce nom, c'est Rockmania Dance Group. Mais nous faisons plus beaucoup côté mariage et ministère, côté des ministères ici. Côté mariage, nous faisons guide cavaille, drôle. Côté danse, pour réception, tchao tari, et pour ministère aussi, nous faisons presque tout. Mais à partir de 2006, comme on dit, à partir de 2006, nos groupes sont formés. Mais là, nous décidons pour faire Zumba Fitness. Et là, en 2013, c'est là, moi avec mon monsieur, dans un circo, notre pays. Et là, nous avons équipé nous pour faire une école de danse. Nous pratiquons Zumba Fitness. Et là, nous avons fait à partir de 2013 pour faire Zumba Fitness. Et quel type de classe tu fais ici? Ici, nous faisons Zumba Fitness, nous faisons cardio, nous faisons yoga. Après, nous pratiquons dance class. Dance class, c'est dans tout style. Nous pratiquons tout style. Dis-nous quel type d'exercice nous retrouvons dans la classe? Classe cardio, nous commençons avec warm-up. Ça veut dire que nous commençons par un petit galop. Et voilà, nous commençons à travailler en bâton, ça veut dire que nous travaillons nos épaulettes, nos lats et nos hips. Là, nous travaillons nos abdomen pour faire tablette. Et là, nous faisons squat. Squat, nous faisons, ça veut dire que nous travaillons la jambe, nos mollets, nos hanches. Et dis-nous comment la classe de cardio est déroulée. La classe cardio, elle commence par un warm-up. Nous commençons à échauffer la tête, l'épaule, les pieds. Moi aussi, je suis instructeur Zumba. Je suis circo en 2013. Et la moitié pour les moment, je vais faire la classe cardio. Cardio, il y a un workout high intensity. Mais là, vu nous commençons la classe, l'école nous fait commencer. Nous commençons à beginner, doucement, nous faisons. Et nous commençons par warm-up, petit galop, puis nous faisons galop. Et là, nous commençons à travailler nos épaules. Là, nous commençons pour les reins, là, nous commençons pour nos hips. Là, nous travaillons nos jambes. Nous commençons à essayer un bâton, nous travaillons nos épaules, nous travaillons nos lats, nous travaillons nos biceps ensemble, et nous travaillons nos décollés hips. Là, nous commençons à travailler nos squats, nous travaillons nos jambes, nos hamstrings, nos mollets. Et après, nous commençons à faire l'abdo. Nous travaillons l'abdo, plusieurs poses. Exercice qui tout le monde capable de faire? Ça dépend de l'âge. Tout le monde peut faire pareil. Maintenant, c'est fait intense. Et moins plus beaucoup de l'âge, plus âgé, il fait plus chiquer. Nous ne pas fausse personne, comment je suis capable de faire? D'après ma capacité. Quel est un exercice qui va adapter par rapport à ce que dit le monde? Côté squat même, je ne vais pas faire full, je vais faire moins même. On fait sprint, mais maintenant, pas capable de faire sprint. Maintenant, je veux dire, oh là, 50 ans, mais ils sont pas capables de faire sprint. Mais là, c'est moi, nous les autres, je veux dire, c'est moins intense même. Parce que d'après l'âge, comme ils sont capables de faire, oui.
Comment vous adaptez un exercice selon besoin et niveau endimoun? Endimoun, je te lâche pas pareil. C'est pas pareil. Je te nous fais les 100%, mais on fait les 50%. D'après ben là, je te lâche. Là, au 30 ans, je te fais les 75%, 75 à 80%. Mais ben là, je me dis 50%, là, je te fais moins intense. Quel est l'avantage de pratiquer pratique une classe de cardio par rapport à les autres exercices qu'il y a? Il y a beaucoup de différences entre cardio, zumba et yoga. Moi, je fais zumba. Zumba, il y a une fitness avec une chorégraphie et du fun. Et yoga, côté respiration, beaucoup, nous travaillons ici, côté respiration. Et cardio, nous travaillons intense, beaucoup. Intense et compliqué, beaucoup. Moi, je fais jogging. Jogging, nous travaillons l'esprit. Le sprint, nous faisons jumping jack. Jumping jack, c'est nous faisons des intenses même. Nous commençons doucement, là nous faisons des intenses. Et squat, nous faisons un challenge, madame, plutôt, madame, ce qu'il fait ici. Nous commençons par 20 squats, 1050, à 75. Mais ça, il y a du plus que moi, vous travaillez au glue, ou la zam, et que vous modèlez ça. Dis-nous qui est le meilleur exercice cardiovasculaire pour brûler la graisse? Cardio est varié. Et comment on a nagé, natation? Et pédale biscuit, nous galoper, jogging, et moi aussi, un seul rythme, ça c'est un travail cardio. Et quand nous faisons ça, qui est un avantage pour nous les cours? Qui est un avantage pour travailler spécifiquement? Musculaire, après, tablette. Moi, je suis jeune, je suis content de tablette, de vente, mais ça me fait pas une casse vente. Qui est un objectif que vous devez viser quand vous faites sa classe? Oui, je suis venu pour perdre du poids, pour maigrir. Et bien sûr, pour ne pas apparaître jeune, rajeunie. Oui. Comment vous servez la musique et les autres facteurs pour motiver vos participants? Nous servons la musique plus intense pour nous élèves qui ont une motivation. Ce n'est pas pour la musique, les classes pour molo. Mais en plus, ça nous met la musique pour battre pour nous donner une motivation pour faire la fitness. Surtout quand on peut pratiquer en groupe, plus motivé. Oui, en groupe, plus motivé. Et tous les temps, mon classe reste remplie même. Si il y en a deux ou trois, il n'est pas ça fun là. Mais tandis qu'en classe reste remplie, on est plus content, je suis plus content. Quel bon conseil je peux donner à des gens qui ont envie d'intégrer cardio dans sa routine? Moi, je dis que les élèves, ceux qui n'ont pas gagné le temps pour venir dans la classe, mais ils sont capables de contacter nous. Là, nous sommes capables de faire une live classe et à la maison même, ils sont capables de pratiquer cette classe cardio. La nutrition aussi joue un grand rôle. Comment mes élèves se disent comment j'ai envie de perdre du poids? Et moi, je conseille à mes élèves de diminuer la fast food, côté des huiles, côté du sucre, surtout gazeuse. Oui, plus beaucoup de l'eau, oui, boire plus beaucoup de l'eau. Et quand on finit une séance de cardio, la récupération est aussi importante. Dis-nous l'importance récupération et repos. Ça veut dire pendant la classe, nous travaillons 30 séries, là, nous faisons 20 élèves poser 30 secondes, là, rien nous prend. Là, après classe, quand on fait la classe, nous faisons étirement et nous avons assisé boire de l'eau, pas pressé pour boire de l'eau parce qu'il est quand même bien pompé, mais bien relax, là, boire de l'eau et là, je parle. Moi, mon classe, c'est tous les jours. Mais mon élève, je prends, je fais zumba aussi, mais je fais des zumba et cardio, et mes élèves font des cardio et zumba. Et comme ça. Oui. Maximum, je peux faire 4 fois par semaine. Et dis-nous comment vous mesurez progrès de mes élèves? Mes élèves, commencement, quand tu peux venir, pas tu peux capable faire un step là, mais là, avec pratique, je peux capable faire bien. Mais quand je peux faire cet instrument, là, je finis par prendre mes yeux hips et que je check ce poids. Là, chaque 3 mois, je check ce poids, là, je trouve ce poids en baissé. Et surtout, quand on peut faire une classe de cardio, il y a aussi un risque de blessure. Comment nous faire pour éviter ça? En fait, au commencement, nous faisons un warm-up. Il y a un stretching, nous faisons, nous commençons par la tête, nous venons en bas. Nous commençons par la tête, les épaules, les pieds, les jambes. Et là, nous finissons, là, nous faisons un stretching. Ça, c'est pour relaxer le mixeur.
parce que troisième âge. Alors, maintenant, je suis un peu, je suis un peu ma section. Fitness, il y a une affaire, il est bien important pour le troisième âge. Parce qu'il fait, parce qu'il a même un système à l'intérieur, un système qui commence à dormir. Alors, fitness, il y a même une stamina qui sentit ou bien, ou un sommeil, et que sans faire ce même exercice-là, parfois, ou pas dormir. Alors, ça aussi, d'une façon, healthy, health aussi, va la payer de nous beaucoup. Et qui va nous conseiller pour les gens qui peuvent nous en ce moment? Ok, il faut pénaliser. Il faut tout le monde faire. Il n'est pas simplement cardio, il n'est pas simplement natation, c'est la mosse. La mosse, s'il fait bien il faut, ball, volleyball, badminton, s'il fait il faut, évidemment, c'est pour la santé, c'est bien. Faire du cardio est bénéfique car cela améliore la santé cardiovasculaire et renforce l'endurance.